Bergerac. Et puis par la nationale, puis par, je reviendrai par le rabais et je passerai à la station service d'Ottawa 24 pour remplir un bidon. Attends, demain, tu n'as pas quelque chose demain? Demain, non. Mercredi. Demain, mercredi, qu'est-ce que j'aurai? Mercredi. Demain, je pense que tu vas être le prochain sur le service demain. Le 2? Non, mercredi. J'ai relevé des compteurs, c'est quand? Ah, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier. Ah, ben on a pas fait comme comment on change les compteurs. Ben oui, parce qu'on change de fournisseur. Ah, ben oui, ben c'est toi qui le fais alors. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire en minuit. Oui, c'est pas possible. Ben oui, je vais le faire. J'ai reçu une lettre d'Orès et sur internet. Avec le code, que j'ai reçu d'Orès, sur internet, je vais leur communiquer. Ça vient pas. Ah, ouais, on a jusqu'au 9 pour le faire. Oh. Sinon, ils font une estimation. Oui, moi j'ai un autre problème. Ils viennent le 4, donc ils viennent vendredi. C'est ça? Oui. Ben, demain, je vais moi j'ai un système intégrateur, comme ils appellent ça. C'est un système qui permet à la société ISTA de chez eux de relever les index chez moi. Ah oui. Et c'est du 1er octobre au 30 septembre. Ah. Et 30 septembre, chez moi, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que le 3 ou le 4, le 3 octobre, j'ai eu un technicien qui est venu. Monsieur, pas moyen de faire votre relevé. Je lui ai montré. Ah, merde. Quoi? Il n'est pas bon, il est. Et alors le type est venu, il a dit il est défectueux, mais c'est de notre faute. Oui, et puis au bout d'un certain temps, je dis mais merde quoi, il dit rien, il bouge pas, donc j'ai secoué le côté, et ils viennent donc maintenant le 4 janvier remplacer le bazar. Mais la consommation qui n'a pas pu être relevée, ils vont l'estimer. Ah oui. Et c'est dans. Chose. Les clauses. Tu sais pas faire autrement. Tu es obligé de l'accepter parce que c'est comme ça dans le règlement. C'est une clause léonine, comme on appelle ça. Une clause léonine, ouais. Exactement. T'es pas chez Testachat? Non, malheureusement. Sinon, tu leur lâches la juriste de Testachat sur le dos? Non, parce que j'ai eu. Mois d'hôpital, et puis enfin 2 mois, on va dire. Oui, mais ça, on ne le dira pas. Et puis, du 7 mars au 30 avril, ça fait quand même beaucoup. Hein. Un mois et demi. Oui, mais on veut le compte tout le monde, c'est sûr. 30 avril. Et puis, il a fait chaud, hein. On n'a pas eu une consommation excessive en été. Ah non. Il a fait bon du 1er juin jusqu'au. Allez, bon. Non, le 1er juin, il n'a pas fait bon. Fait certainement jusqu'au 30 après. C'est qu'il a fait bon. Quoi? Surtout l'après-saison. Oui, enfin, bon, Carole, on va y passer. Tiens. Non, il y a un drôle d'été. Plus vieux, puis les sorties. La rue des Archers, alors, ici. C'est boulevard des Archers, oui. L'hiver, on a eu de la pluie, puis on a eu le froid tout à la fin, quand on a fait briller sur tout le. Il y avait des pertes dans les vergers et tout. Même dans les champs. T'as une place devant chez toi, toi. Ouais, tu. Non. La même que tantôt. Mais il y a beaucoup de place, comme ça. T'as vu d'arriver? Ouais, c'est parce que. Il y a des gens qui sont partis en réveillon et de ce sens-ci. T'as vu d'arriver, la maison? Je n'ai pas fait attention, je veux dire. Non, bah, elle sera en haut, alors. Qui doit être là, Michael? Et Lucien. Mike.